Notre président de la République a parlé aujourd'hui. Donc il a dit un truc qui était pas mal. Il a dit que ce n'était pas les gens qui faisaient la grève qui empêcheront la démocratie, l'organisation de notre société, de faire valoir ses droits. C'est bien d'expliquer aux gens que c'est pas en tambourinant sur les vitrines, en cassant des abribus et en mettant le feu aux poubelles qu'ils seront entendus. Dans la mesure en plus où finalement les 28 millions de travailleurs de France ne sont pas dans la rue. Il y en a même pas 2 millions. C'est très peu de personnes. Que ces gens-là manifestent leur mécontentement, c'est une chose. Mais c'est très perturbant pour ceux qui se disent qu'il fallait réformer notre système de retraite et que c'est bien. Ce ne sont pas les gens qui vocifèrent, même si la société est comme ça, qui doivent avoir le dessus. C'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Il y a l'Assemblée nationale, même si on y a mis des gens qui n'ont pas grand-chose à y faire, qui sont des gens qui viennent pour insulter les autres, les menacer et dire des grossièretés, faire des gestes déplacés qui correspondent sans doute à leur niveau d'éducation. Je pense qu'il faut que les lois de la République soient supérieures à toutes ces gesticulations, à toutes ces menaces, à tous ces bruits de bouche. Et donc, je félicite notre président de la République. J'espère qu'il saura tenir. Ah, tu n'es pas d'accord? Bien vite. Alors, tu vas là, je te prie. Ajoute maurice.usa sur Skype.